Ariel Henry qui continuait à massacrer nous. Pendant nous pas qu'à vivre n'importe côté dans le pays, quel que soit côté, nous ne pas qu'à vivre. Nous canarons, nous ne pas qu'à vivre. Nous cafoufeuilles, nous ne pas qu'à vivre. Nous croix des bouquets, nous ne pas qu'à vivre. Nous Pétionville, nous ne pas qu'à vivre. Nous la Tibonite, nous ne pas qu'à vivre. Nous Port de Paix, nous ne pas qu'à vivre. Nous Gonaïves, nous ne pas qu'à vivre. Je dis à nous demander justice. Nous sommes pays. Demander justice. C'est justice n'a demandé. Justice. Justice n'a demandé. Pour 37 000 haïtiens qui étaient tombés des vidéos dans la rivière. Et depuis là, la rivière, ça arrive à massacre. Donc après ça, contexte là, c'est parce que. En 35, en 1915, nous avons mis le gouvernement américain en dehors dans le pays. Nous avons dit nous ne sommes pas esclaves une deuxième fois. Et puis là, nous avons mis le dehors. Il fâchait. Là, il construit les ennemis. Communauté internationale là, par rapport avec le massacre qui était réalisé en 1937, le jour qui était 2 octobre, pour que gagné plus passé 35 000 Haïtiens qui étaient massacrés par les sanguinaires, les fascistes, les racistes. Qui était relé Raphaël Léonidas Trouillon. Eh bien, face avec comportement, nous, le président actuel de la République dominicaine, affiché Juné Josia, qui c'est Abinader. Nous, Abinader et Raphaël Trouillon, c'est Marassa. Ils ont gagné le même tempérament, ils ont gagné le même comportement. Nous dit, 2023, pas 1937. Nous dit pas de massacre encore. Vous comprenez, c'est eux-mêmes qui doivent gagner la loi. Votre nous. Vous comprenez, vous êtes capable même empoisonner nous de manière lente. Parce que nous constatons, après vous fin de mesure, vous fermez les frontières. Eh bien, République dominicaine gagne un pile monde qui prend un goût la caille. Au lieu que yo bay moun yo produit yo te fait pour haïtien yo, c'est jeter yo, jeter yo, c'est brûler yo, brûler yo. Ça fait nous comprendre produit ça yo, yo fait spécialement dans objectif pour éliminer la population haïtienne. Nous dit voyez un message auprès de la communauté internationale, notamment la Cour pénale internationale. C'est un esclave qui était René Seigneur Vincent. Le massacre ça a été réalisé, c'est lui-même qui était président en Haïti. Il prend seulement 35 dollars pour chaque tête green haïtien qui a été massacré. Eh bien, je dis à Ariel Henry, qui est un esclave, il n'est pas différent de Seigneur Vincent. Nous, Abinader, qui est un raciste, qui est un fasciste, il n'est pas différent de Raphaël Léonidas Trouillon. Nous disons qu'il faut gagner justice qui rentre avec la communauté haïtienne, non, puisque le crime, ça, c'est un crime génocidaire, c'est un crime contre l'humanité. Eh bien, lorsqu'il s'agit de crimes contre l'humanité, il n'y a pas de prescription. C'est ça qui fait. Automatiquement, il y a un gouvernement sérieux qui respecte tout le monde, eh bien, a exigé à ce que la Cour pénale internationale lui condamne fermement la République dominicaine et réparer toute famille victime et l'État haïtien par rapport avec ce qui passé en 1937. N'a dénoncé persécution ensemble des travailleurs haïtiens. Ce n'est pas demander à demander en République dominicaine. C'est travailler à travailler en République dominicaine. Eh bien, il y a décapité, il y a braché. Nous condamner cadet Jacques étatique qui fait sous
femmes haïtiennes en République dominicaine, dans une institution étatique, dans le consulat dominicain, eh bien, policiers dominicains violent, fait canéjac sur une haïtienne. Eh bien, viol ça, canéjac ça, son canéjac étatique, son canéjac, c'est Abinader même qui fait canéjac à travers policiers sous forme haïtienne ça. Nous dit abat canéjac, nous dit abat raciste, nous dit abat fasciste. Nous dit abat domination, nous dit vive un peuple libre, vive des peuples frais, nous dit faut l'histoire enseigne de l'autre façon. Et nous avons rappelé, pour la communauté haïtienne, pas de peuple sans mémoire, pas de peuple sans histoire, un peuple sans histoire, un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui est condamné pour reproduire même erreur et victime de la même situation. C'est ça que fait l'impérialisme américain. Français, Canadiens, ils ont entré dans le complot ça même pour que ils ont éliminé la population haïtienne. Toutes les âmes qui sont sorties des États-Unis d'Amérique, ils ont passé vers la République dominicaine et puis ils ont tombé dans les gangs dans le pays d'Haïti. Ils ont un pays qui a une infrastructure aussi importante que les États-Unis d'Amérique. Comment ZAM fait absorber la caille pour ça? Donc mettez un message concret là, c'est ça. Message concret là, nous dit, nous rappelons la population haïtienne pour ne pas jamais oublier en 1937, il y a plus de 35 000 Haïtiens qui sont massacrés par le gouvernement dominicain. Nous dit, peuple haïtien, comportement donc, et Abinader a affiché journée aujourd'hui, c'est pas. Il y a un bagage qui fait journée aujourd'hui, eh bien, il y a un ensemble de précédents. C'est Raphaël Léonidas Trouillot, la suivre, c'est professeur. Donc, lui-même, son fasciste, son sanguinaire. Nous dit, il faut gagner un mémorial qui construit au bord des canals, là, rivière massacre, là, pour que nous capables de montrer la génération future, là, pour la population haïtienne, nous capable au courant de qui comportement. Dominicains, à travers le gouvernement, ils ont toujours gagné à l'égard de nous-mêmes. Nous avons rappelé la population haïtienne. Nous n'avons pas occupé Dominicanie. Mais nous avons libéré Dominicanie en bas de domination espagnole. Après, nous avons eu cet espace-là. Nous avons dit pratique qui gagne là. Puisque nous avons remetté l'ordre mondial établi à l'époque là, qui était esclavagiste. Nous remettons la question, eh bien, impérialistes, pays impérialistes, ils ont fait en sorte, ils ont détruit l'agriculture, nous. Eh bien, en 1934, États-Unis d'Amérique, ils ont construit 20 usines à Cuba, ils ont construit 10 en République dominicaine, ils ont construit 0 à Haïti. C'est une façon pour être capable d'éliminer la production nationale. Là. Eh bien, c'est ça que fait après. Tout haïtien, tout travailleur haïtien, tu es obligé de venir soit à Cuba, soit en République dominicaine. Eh bien, c'est dans un contexte comme ça, en 1937, un raciste, un sanguinaire, faire un génocide sur une communauté de travailleurs haïtiens qui a travaillé dignement avec force, eh bien, ils ont massacré. C'est ça les États-Unis, nous parlons pour les routes, nous sommes en l'air. Pourquoi les États-Unis parlent et que nous disons avec nous? Mais non, nous avons fait la caloue, pays où nous sommes avec Dubaï, je dis avec ça, le sous-statut de Dubaï, faire Dubaï de plus. Mais nous-mêmes, nous continuons à vivre une nation. Mais c'est la vie même. Présence nous dans le rassemblement ça qui fait devant l'ambassade dominicaine. Nous venons pour que nous disions peuple haïtien à continuer à porter solidarité envers mon Wanametchou. Présence nous devant l'ambassade dominicaine. Vini pour que nous disions, rappelez-nous, 1937, côté gouvernement dominicain, tué un paquet d'Haïtiens. Jodi a, dès octobre 2023, pas 1937, pas de massacre qui doit faire encore.
nous présents devant l'ambassade dominicaine pour nous dire, peuple haïtien, toutefois, depuis nous pas préparé un soulèvement pour que nous retirions Ariel dans notre pouvoir, a toujours un problème dans le pays. Ariel, c'est le plus gros criminel du pays ATK qu'on est. Je dis à moment arrivé. Bon, présence, moi marqué présence, moi, par le fait que en 1937, il y a un gros massacre qui était fait sous l'ordre Raphaël Trujillo Leonidas. Plus que 37 000 Haïtiens étaient morts en République Dominicaine. Côté que l'État haïtien dans l'époque là pas de capacité pour faire République Dominicaine respecter le droit haïtien. Pour être condamné République Dominicaine pour Zach Baba ça. Et bien après 86 l'année depuis Zach ça a été fait, nous joignons un nazi tant que Luis Abinadel, un raciste tant que Luis Abinadel qui voulait recommencer même tactique ancien dictateur Raphaël Trujillo Leonidas. Et bien présence pour aujourd'hui, nous venons dire Yes.